Depuis le 12 novembre, Paramount Plus diffuse chaque dimanche un épisode de Frenchy Shore, un nouveau programme de télé-réalité sans censure adapté du format américain Jersey Shore. Interrogé par Télé Loisirs, mercredi 15 novembre, Houyel, l'une des candidates emblématiques de l'émission, a répondu aux critiques émises par certains téléspectateurs. Un programme de télé-réalité qui fait beaucoup parler. Le 12 novembre, MTV et Paramount Plus ont lancé une nouvelle émission baptisée Frenchy Shore, adaptée du format américain Jersey Shore. Le concept est simple, les 10 plus grands fêtards de l'Hexagone sont réunis au Cap d'Agde pour des vacances de rêve. Beaucoup plus trash que les télé-réalités habituelles, Frenchy Shore offre un contenu sans censure. Les bagarres, les discussions très crues et explicites ou encore les relations intimes sont ainsi diffusées à l'antenne. Interrogé par Télé Loisirs, Houyel, candidate emblématique de Frenchy Shore, a évoqué les raisons qui l'ont poussée à participer à l'émission. « Si est-il un programme qui me correspond ? Mon but, si est-il de faire des choses qui vont et qui sont en adéquation avec qui je suis. Si est-il un programme qui est beaucoup plus libéré, beaucoup plus assumé, avec beaucoup moins de censure, donc on est beaucoup plus libre dans nos faits et gestes. Si est-il vraiment une liberté de pouvoir être dans un programme où l'on peut vraiment être qui l'on est sans avoir besoin d'être brimé sur quoi que ce soit, a-t-elle expliqué. On a fait ce programme de notre plein gré au cours de cet entretien. Houyel est notamment revenu sur les critiques visant Frenchy Shore. Certains téléspectateurs et internautes reprochent en effet au programme d'être misogyne. On a fait ce programme de notre plein gré et on a été pris dans ce programme parce qu'on est justement des femmes assumées, a expliqué Houyel. Honnêtement, il n'y a aucune misogynie, a-t-elle assuré. En plus de ça, nous les femmes de la villa, on est quand même celles qui avons le dessus au niveau sexuel. Ce ne sont pas les hommes qui nous tiennent en tête. Si est-il un programme qui est très girl power quand même, a continué la candidate. Voilà qui est dit.